C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de l'Orbonne. À 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blaze, c'est Charles Bovary. 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 Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle M. C'est elle, le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, t'as résolu la première énigme du père Fouras. Du père Fouras. À savoir, qui c'est Madame Bovary ? Se marient, et puis ils vont crêcher dans un bled pérave de Normandie. Emma, elle se fait chier. Donc elle commence à toucher la nouille de quelques hommes qui passent. Et elle se fait raccommoder la crinoline par des bad boys dans des calèches. Ça c'est vrai, tu sais, c'est pas ton. Emma. Elle kiffe le swag. Alors elle claque son bif pour des petites loup-boutins easy et des bananes Hermès. Enfin, des trucs de luxe, quoi. Le bail, c'est que Charles Bovary n'a pas une thune. Alors Emma, elle est obligée de faire des emprunts au bonhomme de ce TLM. Sauf qu'après, ben, ils sont endettés. Mais Charles Bovary, il sait pas. Mais Emma, elle s'en met plein les fouilles. Lol, la salope. À un moment, elle se fait têche par son chum et elle se réveille à Walpé dans sa chambre. Du coup, elle est trop déprimée. Elle a le seum de la vie. Elle se suicide. Et du coup, Charles Bovary, il est tellement gâché, il crève. Il reste juste la gosse qui fait du truc. C'est l'amour est dans le pré au club Normandie. C'est le sofa à quoi du terrain miné. C'est gigolo et patatalo. C'est Madame Bovary.